aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail, ouais, je sais, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, à part la vidéo recette que je vous ai fait la semaine dernière, mais bon, c'était juste une vidéo photo. Ça doit bien faire 15 jours, je crois, que je vous ai pas fait de vidéo. Désolée. Je sais que bon, certaines d'entre vous ont dit, bah alors, les vidéos, c'est pour quand ? Oui, mais j'étais très très prise ces derniers jours, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous pour mes petits soucis, c'était la galère. Puis là, vous voyez, j'ai encore une sale tronche, bon, j'ai une sale tête aujourd'hui, pas coiffée, rien, bon, c'est rien, on s'en fiche. Donc je me suis dit, là j'allais, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais profiter, en plus là, ça y est, le soleil est là. Bon, ils ont dit qu'il serait là pendant 4 jours. J'espère, parce que bon, demain c'est samedi. Donc je vais en profiter pour aller un petit peu dans mon jardin. Il me reste des bulbes de fleurs que je n'avais pas pu mettre avant l'hiver. Donc je vais les planter. Et puis on m'a donné du romarin et de la sauge. Donc c'est pareil, je vais les planter dans mon jardin. Et mon chouchou, lui, doit poser un petit portillon entre la cour et le jardin que les voisins nous avaient donné quand ils ont déménagé. Voilà. Donc lui, il va faire ça demain avec un autre voisin. Désolée, petite coupure, chouchou m'appelait en bas. Oui, donc je vous disais, lui, il va faire le portail. Enfin, c'est pas un portail, c'est un petit portillon pour mettre entre la cour et le jardin. Voilà, c'est pour pas que le chien aille dans le jardin. Puis donc voilà, puis on a nettoyé la cour et puis voilà, donc on va commencer à préparer, profiter plutôt qu'il fait bon pour faire ça. Oups, j'ai le soleil dans mon œil. du coup, alors, je viens de dire où j'en suis avec la boîte. La boîte est là, vous voyez, elle n'a pas beaucoup avancé sauf un tiroir. Je suis en panne de carton et je suis en panne de craft. Et donc, je dois attendre la semaine prochaine hein, pour en commander. Du coup, là, je ne peux pas continuer la boîte tout de suite. Enfin, pour l'instant, là, je suis en panne. Et là où je me fournis, ils n'en ont plus non plus. Donc là, je vais regarder pour une autre boutique qui est à peu près dans les mêmes prix. Mais bon là je ne pourrais pas en commander avant la fin du mois, donc du coup je suis en panne pour la boîte. Donc Céline, si tu passes par ici, bon, de toute façon je te le dirai sur Facebook, du coup la boîte est un peu en stand-by pour le moment. Voilà, donc là j'avais envie de faire une petite carte du coup, hein, pourquoi pas, on va se faire une petite carte. Alors, je vais bouger l'appareil photo pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Et puis, bon, c'est pareil, j'ai rien préparé. Hein. Je la fais à l'arrache, comme d'habitude. Et je vais la faire avec ça. Voilà. Et puis, je vais peut-être faire avec un dies. Voilà, bébé. Et puis, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Allez, je change la position du téléphone pour que vous puissiez voir ce que je fais. Cool. Alors, voilà. Bon, je vais prendre une carte 15-15, rouge, comme ça. Cela.
Voilà. Et on recommence la Big Shot. Donc sur le dernier passeur. Jamais, je m'en suis jamais servi de ces plaques d'embossage qui coupent. Donc c'est pour ça. En même temps, ce sera le moment de voir ce que ça donne. Ça m'a pas l'air... Ça découpe pas ces conneries. Je sais pas si vous les avez eu, mais bon, moi ça m'a pas l'air de très bien découpé. Hein. C'est vraiment j'aurais dû les essayer quand je les avais eu. Celui-là, c'est même pas la peine. Oh là là. J'ai déjà dit, je commençais à avoir un peu marre d'action. Mais... je crois que ça se confirme. Bon, heureusement, je n'y vais plus en ce moment. Bon, ben, je peux pas. Mais regardez, ça se découpe pas. Ça ne se découpe pas. J'ai passé pourtant plusieurs fois la machine. Ça se déchire. Oh là là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je perds une carte pour rien, moi. Pour ça, je les découpe moi-même à la main, les papillons, ça va plus vite. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais repasser des dies papillons dedans. Et ça ira aussi mieux. Entends. Bon. Alors, les dice papillons. Là, ils sont trop grands. Qu'est-ce que je peux passer sinon? Ou alors autre chose, des cœurs. On va se débrouiller hein, pour pas gaspiller la carte. Puis celui-là. Bon, allez, on repasse dans la Big Shot. J'ai passé au moins 4 fois dans la, en aller-retour et bon ben voilà hein, ce que on aura. Ouais, regardez ce que ça faisait. Bon, ça c'est poubelle.
Ah, il y en a encore un là. Non. Je ne l'ai pas vu. Je vais faire un tout petit cœur. Un tout petit cœur. Aujourd'hui, la vidéo, ce sera comment rattraper une carte ratée. Alors, je cherche mes petits cœurs, mon petit cœur. Faire un comme ça, c'est rien. On va bien y arriver. On va faire quelque chose de cette carte. Bon, voilà. J'ai enlevé tous les défauts en faisant des trous. Ça, ça va à la poubelle puisque c'est pas récupérable. Alors maintenant, donc du coup, ça me fait une carte avec plein de trous, avec des cœurs, mais c'est rien. Ce que je vais faire maintenant, je peux faire ça, mais ça c'est adhésif, donc ça ne va pas. On va essayer de faire ça. Ça fera les cœurs comme ça. Donc, on va marquer les traits pour couper. Et maintenant, on peut couper. Donc, je vais couper un tout petit peu en dessous de mon trait. Que ça dépasse. Voilà. Voilà ce que ça fera pour l'instant. Donc là maintenant, je vais mettre du double face sur celle-ci. Alors, je profite de faire mes scotchs, là, mes double faces, pour vous remercier toutes. Parce que cette semaine, on est arrivé à 2500 abonnés. Donc là, on les a dépassés. Donc, je voulais toutes vous remercier pour ça. Ça me fait super plaisir. Et ben, c'est grâce à vous toutes si la chaîne grandit, hein. Donc, encore un grand, grand merci à toutes.
Je ferai certainement une vidéo spéciale pour ça, je ferai. Voilà. Hop. Donc, on a des petits cœurs dorés. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup, je voulais mettre ça, mais bon, là, du coup, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus grand intérêt. Ça non plus. Du coup, ma première idée est tombée à l'eau, hein, avec, à cause de mon... le truc de... à cause de ça, qui ne coupe pas. Je sais pas. Je referai des essais hors caméra, mais bon, ça me gonfle. Alors, je vais peut-être mettre des petits papillons, je sais pas. Oui, c'est de là. Je vais peut-être faire des petits papillons. Alors, on va les faire comment? Rester dans le doré, mais bon, vraiment doré comme ça. Ouais, oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau à la découpe! Oh, j'aime! Alors, il est très fin, regardez. Il est vraiment super beau à la découpe. Oui, très très beau. Alors, je vais regarder comment l'autre... Et sinon, je ferai le même. Alors, comment lui, il est à la découpe. Joli aussi. Regardez. Hop, viens là toi, te sauve pas. Donc, je vais en faire un troisième et dans l'autre. Après, donner un petit coup de brosse pour enlever les morceaux restants. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment super beau. Voilà. Faire un petit tamponnage. Alors, un petit tamponnage. Je range tout de suite mes dies, sinon je cherche après. Ah oui, il faut que je vous fais la vidéo pour le rangement des dies. C'est vrai. Il faut m'y faire penser, les filles. Alors, on va faire un petit tamponnage. Je fais pour que ce soit une carte d'anniversaire. Oui, on va faire comme pour une carte d'anniversaire. Voilà, on va faire celui-là. On va faire le meilleur des anniversaires pour toi. Donc ça ira là.
Alors, il me faut un peu de rangement déjà. Il me faut, je prends une feuille déjà, mettre ma carte là. J'ai ma plaque. Mon tampon d'encre. Et sur quoi, à votre avis, je vais mettre alors, c'est du rouge et du doré. On va le prendre de ce côté-là. Ah là là, les filles, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non, ça c'est trop grand. Voilà. Hop, dis-moi que ça rentre. C'est tout juste, hein. Bon, j'espère que ça ira. Ah, celui-là, il va pas. Je vous le dis, hein, il n'y a rien qui va aujourd'hui, les filles. Rien. Rien. Rien de rien. Et quoi, je vais me coucher. C'est ce qui va aller mieux. Je ne sais pas pour tout de suite. Ça me plaît pas. Bon, on va essayer. Allez, on va utiliser la Zinc. Rien qui va. J'espère que l'embossage va rattraper. Pour pas faire d'autres catastrophes, on va fermer son encre. On va ranger sa poudre embossée. Voilà. Et on va sortir son pistolet. Désolée pour le bruit. Voilà, ça va. Embossage à corriger. Et, attendez, je vais essuyer. Voilà. Bon, maintenant, on va le découper.
Hop, hop, et hop. On va lui mettre du double face 3D. Donc là, j'ai une copine qui m'a dit que c'était revenu le 3D chez Action. Donc bah, dès que je pourrai, j'irai voir. Parce que là, c'est mon dernier rouleau, hein, j'en ai plus d'autres. Ciseaux. Ciseaux. On se croirait dans un truc de d'opération. Ciseaux, scalpel. Voilà. Donc, d'habitude, je fais doubler ça, mais là, je vais le laisser tout simple. Voilà. Je vais coller mes petits papillons. Si je trouve mes 3D, normalement, ils étaient là. Hein. Ils étaient là, mes 3D. Ils n'y sont plus. Ah bon, ça y est, on va en faire ça avec le gros. Quand je vous dis que c'est une journée qui où rien ne va. Quand ça veut pas, ça veut pas. On va commencer par celui du milieu. Ah, puis ça met, je m'énerve encore plus hein, quand c'est comme ça. Quand je vois que tout ne... Il n'y a plus rien qui marche. Oh. Voilà. Et on va faire pour les deux autres. Et le dernier petit papillon. Ben, je peux vous dire qu'elle m'aura fait galérer cette carte. Pourtant, elle ne peut pas être plus simple. Hein. Tout ça à cause du mauvais matériel d'action. Oh. Alors, on va mettre des petits
Alors, je mets des petits dorés, peut-être, là. Je n'ai pas d'autres dorés, de toute façon, non. Bien. Mettre des petits cœurs sur le ventre des papillons. Voilà. Bon, ben je pense que ça va. Voilà, elle m'a bien fait galérer. Mais voilà le résultat. Donc, pas du tout ce que je voulais au départ, hein, puisqu'au départ, je voulais faire une carte bébé. Et on finit avec une carte d'anniversaire. Voilà. Donc, à l'intérieur, du coup, ça fera ça. Voilà. Et bon, bah écoutez, dites-moi quand même ce que vous en pensez, hein, malgré que j'ai galéré à mort pour la faire. Bah, du coup, elle est très simple. Hein. Et puis, bah, en fin de compte, le truc là, bon, ça me gave, là, les trucs d'action. Je crois que. Ça, de toute façon, bon, heureusement que je ne peux pas aller à Action pour l'instant parce que. Et là, celui-là, je l'ai acheté il y a un moment. Hein. Il est sorti il y a un petit moment. Mais bon. Donc, je m'en étais pas servi. Encore, il était encore dans l'emballage. Je l'ai sorti seulement aujourd'hui exprès. Mais donc, voilà. Donc. Il me reste plus qu'à y mettre mon petit tampon, comme je fais toujours, derrière. Voilà. Hop. Ma petite griffe. Et voilà. Donc, j'aurai plus qu'à y mettre sa petite enveloppe, rouge aussi. Et puis, bah, si j'ai un anniversaire, je l'enverrai. Ou sinon, bah, elle ira dans ma boutique, qui ne fonctionne toujours pas, d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein? Alors attendez, je vais vous redresser pour que vous me voyez. Hop, 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 coucou. Voilà, me voilà. Avec ma sale tête, comme tu, ça ne sera pas changé par rapport à tout à l'heure.
Dites-moi ce que vous pensez, hein, du coup, de ma petite carte qui, au départ, était ratée et qui est devenue donc ça. Voilà, une carte papillon et cœur pour un anniversaire au lieu d'être à la base une carte bébé. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'essaie ce week-end, sauf si je suis trop prise dans le jardin. Mais sinon, on se retrouve dès lundi. Pas de problème. Je vous fais à toutes des gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.